CST, un nouveau coup dur pour le prince Harry. Ce dernier a été accusé d'avoir prononcé une terrible phrase au sujet des Britanniques, une rumeur très vite démentie par le duc de Sussex. Voilà de nouvelles déclarations qui vont faire bondir la famille royale britannique et ses sujets. Le prince Harry se retrouve une nouvelle fois dans la tourmente suite à des révélations selon lesquelles il aurait prononcé cette terrible phrase à un ami: ces Britanniques ont besoin d'une bonne leçon. Des mots qu'il aurait lâchés juste avant son entretien avec Oprah Winfrey. Devant cette rumeur, un porte-parole du couple a déclaré qu'accuser le duc qui a passé 10 ans à servir son pays est une tentative de distraction car il n'a jamais dit du mal du public britannique. S'il aurait été insultant envers les Britanniques, le prince Harry aurait également confié à ce fameux ami que son entretien auprès d'Oprah Winfrey allait être assez choquant. Le porte-parole de Meghan Markle et du prince Harry dément formellement ces rumeurs: le dresser contre son pays est honteux et manipulateur, surtout lorsque le prince Harry n'a jamais dit du mal du public britannique. De nouvelles accusations qui mettent un peu plus le feu aux poudres. En effet, depuis la diffusion du teaser de la série documentaire sur le couple par la plateforme Netflix, tous les regards sont tournés vers les Sussex. La famille royale britannique se prépare à un véritable tsunami. Une source en contact avec un initié de la production de Netflix a déclaré: je pense sincèrement que ça va être pire que ce que la famille royale peut imaginer. Un documentaire qui ne cesse de faire polémique. Il faut dire que les quelques images diffusées montrent Meghan Markle en train d'essuyer des larmes qui coulent sur son visage, pendant que le prince Harry paraît dépité, assis à côté d'elle. Une voix demande ainsi au couple: pourquoi avez-vous voulu faire ce documentaire? Le duc de Sussex répond: personne ne voit ce qui se passe derrière des portes closes. J'ai dû faire tout ce que je pouvais pour protéger ma famille, tandis que Meghan dit: quand les enjeux étaient si élevés, n'est-il pas plus logique d'entendre notre histoire de notre part? Devant de telles menaces pour l'équilibre familial, le roi Charles III a pris une lourde décision. Le roi Charles III se prépare à la diffusion de la série. Il va organiser une réunion de crise aux côtés du prince William et de Kate Middleton. S'il est nécessaire de répondre à quoi que ce soit dans la série à venir, vous pouvez être assuré que la réponse sera rapide et robuste. Une façon aussi de montrer que les Windsor n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a un front complètement uni de la part du roi et de sa famille concernant les nombreuses tentatives de faire la paix en privé avec le duc et la duchesse de Sussex, qui ont malheureusement une fois de plus conduit l'autre côté à vouloir diffuser leurs griefs au monde. S'il est nécessaire de répondre à quoi que ce soit dans la série à venir, vous pouvez être assuré que la réponse sera rapide et robuste.